Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 18. C'est un texte qui est pas nécessairement évident, et surtout pour un dimanche prochain où ce que habituellement début septembre, après la fin de semaine du travail, c'est quand les activités reprennent, les gens reviennent, tout ça. Puis là, on a un texte qui parle de conflits, de péché, puis d'expulsion de l'Église, puis on fait yeah! C'est pas évident, ça. On a de la misère avec ce texte-là parce que s'il y a une chose de Jésus qu'on a vraiment assimilé, nous, gens d'Église, c'est bien de pointer le doigt et de blâmer les gens. C'est ça. Puis dire, ça c'est pas correct, vous avez tort, vous avez péché, puis aussi le bout au sujet de l'excommunication, puis de jeter le monde dehors, là. Oh oui, l'Église pour des centenaires, c'est des siècles et des siècles, il n'y a pas eu de problème, on a été champions là-dedans. Puis, c'est une partie de nous, de notre institution qu'on n'aime pas. Parce qu'on pense que l'Église, ça devrait être l'harmonie, tout le monde est heureux, tout le monde s'aime, puis quand il y a des conflits, ben on essaie ça de balayer en dessous du tapis, puis on n'en parle pas. Ou mieux, on crée un climat où ce que les gens qu'on n'aime pas s'en vont. Tu sais, comme les gens de la communauté des communautés LGBT, ben, ils peuvent venir dans nos églises, tant aussi longtemps qu'ils font ci, ça, puis ils se comportent de même. S'ils partent, ben là, c'est leur choix, c'est pas nous autres. Tu sais, puis on se dit, ben, on n'a rien fait de mal. Parce que on aime croire qu'on est toujours du bon côté des choses. On est ceux et celles qui comprennent les vraies choses, la vraie façon de faire les choses, puis qu'on a le droit de dire aux autres, ben, vous avez tort. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est nous autres qui avons tort? Un des événements majeurs au Canada, je pourrais dire, c'est la commission de vérité et de réconciliation avec au sujet des Autochtones. Et peut-être que moi, personnellement, ou les gens dans ma paroisse, ou dans votre paroisse, peut-être qu'ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont pas été impliqués là-dedans. Et sûrement, il y avait des bonnes personnes qui ont travaillé avec les Autochtones, mais il faut avouer que l'Église, en tant qu'institution, a fait du tort. Des questions d'assimilation, de conversion forcée, toutes les écoles résidentielles, les pensionnats autochtones. C'est l'exemple peut-être le plus hallucinant, pas le seul, mais le plus hallucinant qu'on n'a pas du bon côté de l'histoire, je pourrais dire. Et des gens d'Église ne sont pas confortables parce qu'ils veulent, et même, ils veulent pas admettre que l'institution qui aime tant a pu créer du tort. Il y a des gens, il y a des groupes qui viennent à l'Église, qui parlent à l'Église et qui veulent parler, qui veulent raconter une histoire. Puis des fois, nous autres, on se dit, ben là, c'est du vieux stock, ça, là. Il y a plusieurs siècles, on oublie ça, on a présenté notre excuse, fait que temps d'avancer, là. C'est un peu comme ce qu'on enseigne à nos enfants dans les cours d'école. C'est comme arrêtez de vous chicaner, serrez-vous la main, puis pensez plus à ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand un des deux groupes, ou les deux groupes, ou plusieurs groupes, a toujours de la peine, toujours blessé? Mais c'est peut-être là que le texte comme aujourd'hui est si important. Parce que ce texte-là, c'est pas vraiment de pointer le doigt, puis de dire oh, faut que tu aies honte, puis on va t'expulser si tu changes pas. C'est un texte au niveau de la réconciliation. Comment une communauté peut revenir ensemble. Parce qu'à travers la Bible, par exemple, on a un Dieu qui est en relation avec les êtres humains, puis les êtres humains, bon, ils oublient Dieu, ils cherchent d'autres dieux. On lit ça, mais on a l'impression que Dieu aurait toutes les raisons du monde d'être fâché contre les gens, puis il dit, non, je vous aime, on va recommencer, revenez, je vous aime. Puis même Jésus, dans ses histoires, dans ses paraboles, de la brebis égarée, du fils prodigue, qu'est-ce qu'on a?
On a un berger, on a un père qui dit, peu importe ce que j'ai fait, là, reviens. Reviens, je t'aime, puis je veux que tu appartiennes à ma famille, à mon groupe. La bonne nouvelle, c'est que malgré toutes nos erreurs, nos péchés, de tout ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, là, name it, on peut changer. Puis on peut s'améliorer. Et quand on est capable d'être humble, on est capable d'écouter, d'apprendre, d'évoluer, de converser, d'échanger, on peut recréer la communauté. Puis qu'on peut apprendre à remettre les choses en place, je pourrais dire. Il n'y a pas de conflit trop difficile qui ne peut pas être solutionné. Il n'y a pas d'erreur qui ne peut pas être pardonnée. Il n'y a pas de peine qui ne peut pas être soignée. Si les gens, tout le monde de la communauté, se mettent ensemble et décident vraiment de travailler ensemble pour le bien de tout le monde. Puis c'est ça que je vous souhaite cette semaine. D'être capable d'entendre lorsque des gens viennent à vous. Si vous allez à quelqu'un d'autre, pas tant pour leur dire comment ils ont tort, mais d'être gouverné par cette idée-là de comment qu'on peut reformer la communauté, comment qu'on peut reformer l'amitié, comment qu'on peut reformer le groupe, puis de même avancer. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien et à très bientôt.